Salut à toi l'athlète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais mon micro par terre, tranquille avec des cours de malade, tu vois. Il y a tous mes affaires de sport. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, je voulais juste partager ma résolution qui pour moi est quelque chose de très 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 fort, très profond, très tout ce que tu veux. Et c'est en fait, cette résolution concerne un peu tout le monde. Hein. C'est pour ça que je le partage, parce que je pense que tu peux aussi facilement le prendre comme exemple ou même essayer de le mettre en œuvre aussi chez toi. Parce que c'est des choses que je vois aussi chez les gens, tu vois. Et que je supporte pas beaucoup, hein, même très mal. Mais voilà, c'est, quand je le dis, c'est principalement pour moi que je fais cette résolution. À toi de voir si... Si tu souhaites que cette résolution rentre pour cette année, pour toi, mais sache que pour moi, ça va vraiment être le cas, ça va vraiment être la résolution que je dois respecter. Parce que, personnellement, je pense que j'ai pas énormément de choses à changer dans ma vie, parce que je trouve que tout va bien et que je fais déjà énormément d'efforts pour respecter déjà ce que je dis, ok. Donc voilà, je n'ai pas une liste indéfinie de choses à changer ou que je dois commencer à faire pour cette année. Non, je voilà quoi. Et justement, donc je pense que ça va aussi beaucoup retourner sur cette chaîne. Hein, c'est quelque chose qui va beaucoup retourner sur la chaîne. C'est surtout le fait de ne pas se mentir à soi. Alors, je m'explique. Retenez bien cette... je sais même pas c'est quoi. Mais retenez bien ça, c'est le fait de ne pas se mentir à soi. Ne pas se mentir à soi. C'est quelque chose qui est extrêmement, mais extrêmement fort, extrêmement puissant, tout ce que tu veux. Mais vraiment... Il faut vraiment que nous tous, et même moi, hein, quand je dis ça, c'est parce que moi, je vais regarder encore cette vidéo pour faire le montage, pour le mettre en ligne, pour même dans des années plus tard, je vais le regarder à nouveau. Et en fait, il faut se dire une chose, c'est que aujourd'hui, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Et même toi aussi, parce que bien sûr, je parle pour moi, mais je parle aussi pour toi, pour les gens qui regardent. Faut arrêter de se mentir à soi. S'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Encore que tu mens pour quelqu'un, tu vois, c'est grave, mais ça va. Mais si tu t'en mens à toi-même... mais tu vois... Si tu t'en mens à toi-même, mais c'est comme si tu te voiles la face, en fait. C'est comme si tu es hypocrite, mais tu es hypocrite avec toi-même, quoi. Enfin, c'est... Et le pire, c'est qu'il y a des gens, il y a des personnes qui s'en rendent même pas compte, qui sont en train de se mentir à eux-mêmes. Mais je pense que là, maintenant, vous savez c'est quoi ma résolution. Donc, on peut même déjà s'arrêter là, mais en fait, je vais quand même développer, parce que ça peut être quand même flou pour certains. Ouais, je comprends pas trop, tu vois. Alors, je vais te dire un truc tout bête et vraiment... très 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 concret en fait, juste ne dis pas que tu maîtrises quelque chose alors que tu ne maîtrises pas. Ne dis pas que tu travailles sur quelque chose. Ouais, t'as vu, j'ai un kettlebell, j'ai un tapis, j'ai un lit de pilates et tout, je m'étire le matin, je fais des abdos le matin, voilà, alors que tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas, et même si tu l'as fait une semaine ou deux mois, mais c'est pas ton quotidien, c'est pas ta routine. Arrête, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Donc je suis d'accord que certaines fois ça permet de s'élever, de se mettre en valeur, de s'améliorer, de repousser ses limites. Ok, d'accord, ok. Mais à partir du moment que ça devient un quotidien, c'est là que c'est mauvais. C'est là que c'est mauvais. C'est là que c'est mauvais. Parce que là, à partir de ce moment où que tu, à partir du moment où tu as l'habitude de dire ouais,
je sais faire ça. Ouais, moi chaque matin je fais ça. Ah ouais, moi j'ai arrêté ci, j'ai arrêté ça. Mais tu te mens à toi-même. Je suis désolé, c'est ça se mentir à soi, tu vois. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi. Est-ce que toi-même, tu te mens à toi-même? Est-ce que toi-même, tu te mens à toi-même? Et surtout, faire attention parce que ça, c'est dans tout, ça. C'est dans tout, tu vois. C'est quand tu dis une chose et tu fais le contraire ou tu penses le contraire ou tu sais pertinemment au fond que c'est le contraire, tu vois. C'est ça, se mentir à soi, tu vois. Et ouais, moi, je pense que, voilà, pendant certains instants de ma vie, ouais, je me suis menti à moi-même. Et voilà, du coup, maintenant, je travaille beaucoup sur ça. Et voilà, on va voir si ça va changer, si ça va s'améliorer. Mais toi, là, toi aussi qui regardes cette vidéo, fais de même. S'il te plaît, fais attention et prends tes précautions. Pas essayer de dire, ouais, c'est moi le meilleur, je vais te donner des conseils ou je vais te... Non, arrête, tu vois. Il y a des personnes qui sont plus petites que toi, mais qui peuvent t'apprendre deux fois plus que toi-même, tu vois. Que toi-même, tu peux leur apprendre, tu vois. Donc fais attention, ne néglige pas aussi les autres et le savoir de chacun. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Ça, je le travaille pas mal. Je le travaille beaucoup plus. Et voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ta résolution parce que c'est très important. Et puis même, ça pourra m'inspirer à faire moi-même une bonne résolution. Hein. Changer quelque chose, tu vois. Peut-être je vais prendre dans ta résolution comme toi, tu vas sûrement prendre dans la mienne. Donc, j'ai fait une vidéo le 31, mais ça a été une catastrophe. mais je vais quand même te partager certains extraits. Et puis voilà.